Il y a deux outils sur BibleWorks qui permettent de rechercher des parallèles entre une référence donnée, que ce soit dans un texte biblique ou n'importe quel texte qui est sur BibleWorks, et n'importe quel autre texte, ou même, on va dire, tous les textes de la même langue. Pour cela, vous allez dans Tools, et vous avez ces deux outils, le premier intitulé Related Verses Tool, et le second Phrase Matching Tool. Donc le premier, on va regarder Related Verses Tool. Vous avez par exemple ici, je suis en Matthieu 10, verset 40, ce verset, cette parole de Jésus qui dit « Celui qui vous accueille, m'accueille, et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. » On vous propose des parallèles ici, notamment Luc 9, 48, qui est un parallèle synoptique. Vous voyez qu'à gauche, là j'ai la liste des mots du verset, et je peux cocher ou décocher certains mots. Les mots qui m'intéressent, par exemple ici, le petit Omicron a été décoché puisque c'est un mot courant qui n'est pas pertinent pour une recherche de parallèle. Là, j'ai recherché uniquement dans le Nestlé Aland 28 les parallèles, mais je peux aussi rechercher dans toutes les versions d'une même langue qui sont sur BibleWorks. Donc ici, je suis en grec. Vous voyez qu'on a beaucoup d'autres Nouveaux Testaments ici, donc c'est pas forcément pertinent. Par contre, j'ai ici une citation de Philon avec une mention de l'envoi et de l'accueil qui peut être intéressant. Une autre ici, donc Philon à nouveau. Voyons maintenant le deuxième outil qui permet non plus de rechercher simplement des mots en commun entre deux références, mais des phrases en commun. Ici, on est en acte 2, 17, c'est une citation de Joël 3, verset 1. « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, prophétiseront. » Ici, j'ai recherché toutes les phrases avec au moins 5 mots en commun, en parallèle avec acte 2, 17. Et ici, ma recherche porte sur toute la Bible grecque, c'est-à-dire la Septante et le Nouveau Testament grec. Bien entendu, on va me trouver Joël 3, 1. Mais aussi acte 2, 18 qui reprend la même formule « Je répandrai de mon esprit » ou encore Ésaïe 2, 2 qui est probablement la source de cette différence qui est en acte 2, 17 et voici dans les derniers jours, c'est pas dans Joël 3. Si je veux préciser que la phrase ne peut faire que 4 mots, on va dire, 4 mots en commun, vous voyez que j'aurai beaucoup plus de résultats, mais pas forcément aussi pertinents. Je peux aussi dire que je veux retrouver des phrases de 5 mots, avec la possibilité d'avoir un mot de différence au niveau des phrases. Par exemple, on va me trouver ici Jean 7, 37, dans le dernier jour ou lors du dernier jour.